Oui, il y a une dimension qui n'est pas évoquée. Là, on a des discussions entre spécialistes sur les institutions à mettre en place, sur les marchés à ouvrir, sur les entreprises, etc. Mais il y a une dimension qui est la dimension humaine. La mobilité des personnes est un facteur d'intégration extrêmement important. Le passeport africain qu'on attend tous sera un facteur d'échange. Mais il y a déjà une mobilité de fait. Hein. Les Africains migrent d'un pays à l'autre. Les Nigérians vont travailler en Afrique du Sud. Donc il faut valoriser cette capacité de mobilité. Mais également y tenir compte du fait qu'il y a de plus en plus dans la jeunesse africaine une conscience africaine. Un peu à l'instar de ce qu'on a connu dans les années 60 après les indépendances, avec ces idées panafricanistes, il y a incontestablement, je crois, une dynamique africaine sur laquelle on peut s'appuyer pour intensifier en quelque sorte et faire bouger, amener la jeunesse à faire bouger les institutions pour plus d'Afrique et un petit peu moins de repli nationaliste. C'est un peu dans cette perspective que je suis convaincu que l'intégration est un facteur de paix. Alors, ça ne va pas éteindre tout de suite les conflits qu'il y a dans les Grands Lacs, la situation précaire en Centrafrique ou d'autres foyers de conflits latents. Mais il est sûr qu'à plus ou moins brève échéance, un peu plus d'intégration favorisera le dialogue et la paix, c'est d'abord le dialogue. À l'instar de ce qui s'est passé, moi je suis d'une génération d'après-guerre, mais mes parents n'aimaient pas les Allemands. Et puis pour des raisons qu'on peut expliquer, l'invasion allemande sur mon pays, deux guerres, trois guerres avec les Allemands. Dans ma génération, on a fait beaucoup de voyages en Allemagne. Il y avait des organisations de jeunes franco-allemands, beaucoup d'activités. On chantait ensemble, on faisait de la musique ensemble, on s'amusait ensemble. Ça a créé un sentiment européen très fort. Mais je pense que c'est par des choses aussi simples que les échanges interculturels entre pays voisins. Moi, je suis encore frappé avec mes étudiants à Ouagadougou, ils ne connaissent pas le Mali, le pays voisin. Introduire de la circularité, c'est introduire de la paix. Mais je pense que c'est la mobilité va être un facteur de pacification dans ce continent.